Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau produit, la Conquest V6. Allez, c'est parti! Avant de commencer la présentation, j'aimerais bien vous présenter un nouveau format de vidéo. Je reviens tout de suite. Voilà, comme ça vous avez toutes les caractéristiques du produit. Zeiss dispose de 3 gammes d'optiques. Cependant, dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement des Conquest V6, qui est le modèle que j'utilise en battue. La gamme des Conquest est faite pour les chasseurs qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix possible avec des optiques de qualité supérieure. Dans la boîte, on retrouve bien évidemment la lunette, mais aussi des protections oculaires, un petit chiffon de nettoyage, des piles pour le point rouge et un guide rapide d'utilisation. La Zeiss Conquest V6 doit son nom à sa plage de grossissement, x6. Je l'ai ici dans sa version battue. Zeiss l'appelle couramment la 1.65x24. Cependant, quand on regarde de plus près, on voit que c'est une 1.165x24. J'ai choisi ce grossissement car cela me permet d'avoir une lunette polyvalente, légère et abordable. Notamment par rapport à sa plage de grossissement qui est plus petite que la V8 par exemple. Attention, ce n'est pas parce qu'elle est dite lunette de battue que vous devez l'utiliser exclusivement pour ce mode de chasse. Vous pouvez très bien effectuer un tir en pleine ou alors l'utiliser de façon occasionnelle à l'approche. Le tout est de bien connaître ses limites. Comparé à la concurrence, le champ de vision de la Conquest V6 est légèrement inférieur. À 100 mètres, il est de 38 mètres au grossissement minimum et il est de 6,6 mètres au grossissement x6. Personnellement, j'aurais préféré avoir un champ de vision un peu plus large, c'est le seul défaut que je peux souligner à cette lunette. Les verres de la V6 sont traités multicouches toute surface et offrent une image éclatante avec une transmission lumineuse de 92%. Cela est dû au traitement T-Star, mis en place par Alexander Smakula il y a 80 ans de cela. Les verres disposent d'une couche de protection appelée Clean Coat, qui limite l'adhérence de la poussière à la surface. Et cela facilite le nettoyage. À cela se rajoute un traitement anti-reflet qui élimine l'éblouissement et les reflets gênants. Les verres disposent aussi et surtout du traitement Lotutech, qui est un traitement anti-buée, nettoyant et déperlant, inspiré de la feuille de lotus. Tout comme la plante, l'effet hydrophobe est reproduit sur la lunette. Les gouttes d'eau s'écoulent plus facilement et emportent avec elles les impuretés restantes. Ce traitement repousse l'eau, mais aussi les graisses. Son réticule 60 situé dans le second plan focal de la lunette, qui est donc derrière le système d'inversion, garde la même épaisseur, quel que soit le grossissement. Cela permet de limiter le recouvrement de la cible, et ce dernier est visible de jour comme de nuit. Ce procédé de fabrication est plus complexe et plus sensible que dans le premier plan focal. Les particules essentes du système d'inversion doivent être montées avec une tolérance quasi nulle, auquel cas on aurait des répercussions néfastes sur la précision. C'est ce qui justifie la différence de prix entre ces deux procédés. Ce qui m'a vraiment charmé la première fois que j'ai regardé dans cette lunette, c'est la finesse de son point rouge. Cela est dû à la fibre optique et à sa qualité de fabrication. Un autre petit détail que j'apprécie énormément est le capteur de mouvement intelligent. Cela permet d'activer le point rouge lorsque la carabine est à l'horizontale et à l'inverse de l'éteindre lorsque celle-ci est à la verticale ou sur la tranche. La luminosité paramétrée est sauvegardée et celle-ci reprend instantanément l'intensité que vous lui avez donnée. La molette de réglage du point rouge est très agréable. Toujours dans un souci d'économie de la pile, le point rouge s'éteint automatiquement au bout de 3 heures s'il n'y a pas de mouvement. Mais bien sûr, vous pouvez éteindre votre point rouge en appuyant sur le bouton. Et un autre petit détail, le point rouge se met à clignoter quand votre pile perd en énergie. La lunette pèse 505 g sans le rail et 545 g avec le rail, pour une longueur totale de 290 mm. J'ai choisi d'avoir un rail principalement pour une raison esthétique, mais aussi très pratique, car elle se monte et se démonte très facilement, et ce, sans modifier les réglages. Et puis la lunette se marie très bien avec ma nouvelle carabine. Oups, je vous ai pas dit que j'avais une nouvelle carabine. Quand on regarde de plus près, on voit apparaître toute la finition et toute la qualité de la marque allemande. Made in Germany. Les lignes sont fluides et les finitions très soignées. Ces réglages. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet car elle fera l'objet d'une prochaine vidéo avec les réglages de tir, l'ASV et l'application Zeiss Hunting. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur un système européen et que chaque clic correspond à un milliradian. Cela équivaut à 1 cm à 100 mètres. Pour information et comparaison, les modèles américains disposent d'un réglage de 1/4 de MOA. Cela équivaut à un décalage de 0,73 cm à 100 mètres. Diamètre du tube central d'objectif, 30 mm. Diamètre de pupille de sortie, de 9,5 à 3,7 mm. Et là vous allez me dire, mais à quoi bon avoir un diamètre de pupille de 9,5 mm alors que la pupille humaine ne dépasse pas les 8 mm?
Eh bien oui, je vous dirais que c'est une remarque pertinente, car le diamètre de pupille de sortie doit être de même taille que la pupille de l'homme. De plus, on sait que la pupille de l'homme diminue avec l'âge. Cela ne sert donc à rien d'avoir une pupille de 8 mm, alors qu'en moyenne, un homme de 60 ans a une pupille de 4 mm. Cependant, le fait d'avoir une pupille de sortie généreuse permet d'avoir une fenêtre d'ouverture plus importante. Cela permet une acquisition rapide et précise de la cible. Son indice crépusculaire est de 3 à 12,5. Cela correspond à une donnée mathématique entre le grossissement et l'objectif. Cependant, les principaux critères de performance sont la qualité des verres, la transmission lumineuse, et la pupille de sortie. Par conséquent, les optiques avec un diamètre de pupille de sortie inférieur à 4 mm est peu adaptée lorsqu'il y a peu de lumière, et ce, même avec un indice crépusculaire élevé. La lunette ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, il est fortement conseillé de la nettoyer après chaque sortie. Pour cela, j'utilise une petite poire, puis un pinceau très propre, et enfin un spray nettoyant. Il est fortement déconseillé d'enlever une poussière avec votre doigt car ça laisse des traces. Information complémentaire. La lunette est purgée à l'azote. C'est ce gaz stable qui évite la condensation. Et dernière petite information. La lunette s'utilise entre moins 25 et plus 50 degrés. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire, ça nous fait toujours plaisir, rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Frères de Chasse, c'est une chaîne avec des vidéos de chasse, mais aussi des présentations d'équipements. Alors, pour ne rien louper de l'aventure, abonne-toi !